Bonjour, je suis Guillemette Bouvet, je suis intervenante en communication de crise et j'interviens à l'EFAB Bordeaux en troisième année pour préparer les étudiants à cet exercice particulier qui est la gestion d'une crise. Alors, la Serious Game, c'est un exercice de communication de crise que l'EFAB organise chaque année pour les EFAB 3. Et cette année, c'était porté sur un projet fictif de Volvian, c'était la marque, où on traitait un sujet de problème de publicité qui était dite mensongère pour une bouteille 100% végétale ou 100% écologique. On a dû vraiment gérer en 4 heures cette communication de crise avec des journées qui se passent, des communiqués de presse à rendre, et du coup c'était très intéressant et surtout très intensif. Pour ce qui est des missions, l'une des premières tâches que nous avions à réaliser, c'était de faire un organigramme où chacun avait un poste bien précis. Pour mon cas, j'étais chargée de communication, mais il y avait d'autres postes comme chargée de relations presse, il y avait une personne qui s'occupait de la communication interne, on avait également un community manager et bien évidemment une directrice de la communication. Alors on avait un temps très très court pour effectuer les différentes tâches, on était entre 20 et 30 minutes entre les différentes étapes du jeu, donc chaque étape correspond un jour et on avançait dans le jeu comme ça. L'implication des étudiants nous a tous impressionnés. C'est vrai que dans une situation comme celle-ci, où chacun la plupart du temps était chez soi, derrière son ordinateur, il a fallu qu'ils arrivent à travailler ensemble. Certains, c'est vrai, ont pris la place de leader, d'autres étaient plus dans l'opérationnel et ils nous ont impressionnés par leur capacité aussi à produire des outils très professionnels, à réfléchir en termes d'éléments de langage aussi. Le Serious Game m'a appris que la communication, ça se gère pas toujours de la manière dont on l'avait prévu. Évidemment, il y a toujours des crises qui peuvent arriver et le but d'une crise, c'est que ça ne se prévoit pas, donc il faut faire beaucoup de choses au dernier moment. Et ce Serious Game, il m'a appris qu'il faut savoir faire les choses rapidement, mais être surtout minutieux et faire très attention, peser ses mots. Pour moi, ça a été un très bon exercice et une très bonne étude de cas.